Alors ce soir on va travailler un petit peu tout le corps, mais on va surtout cibler le bas. J'aurais ramené des petits glides, des petits disques glisseurs, et donc ce soir ça va être un focus sur les jambes et les fessiers, et ça va pas mal chauffer je pense. Il y a beaucoup de sociabilité, il y a beaucoup d'échanges, voilà, on interagit beaucoup les unes avec les autres, voilà, il y a quand même une bonne ambiance, on rigole bien en principe, donc on travaille les abdominaux, pas que par les exercices, mais aussi par nos échanges tout au long de la séance. C'est vraiment super parce qu'elles sont quand même bien dynamiques, elles sont petites, elles râlent parfois un peu, mais elles vont au bout des exercices. Et l'attrait de ce club, c'est que il est près de mon domicile. L'ambiance est conviviale et il y a tout un tas d'activités pour les personnes dynamiques, les personnes un petit peu moins dynamiques, step, danse, abdos. Donc tout ça fait un joyeux mélange et qui donne envie de venir et de continuer à faire du sport. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne vient pas ici pour être en compétition, on vient ici pour se détendre, pour faire du sport avec le niveau qui est le sien, l'intérêt qui est le sien, et tout ça dans une bonne humeur, une bonne ambiance, et c'est très important pour moi, je crois, pour nous tous ici. Voilà. On fait de la gym dynamique, de la gym douce un peu plus dynamique. Il y a un cours homme, ça on insiste beaucoup parce que je crois que nous sommes le seul à faire un cours homme. Et la moyenne de participation, alors ça peut aller à une dizaine comme à plus de 20, de 40 ans à 80 ans et plus. Donc c'est super. Et on a une super équipe d'animateurs aussi. Je pense que c'est ce qui fait qu'on maintient nos effectifs. Parce qu'on a des cours très dynamiques à ce niveau-là. Et ce que je voudrais dire tout particulièrement, c'est que nous, le club de l'AGV, on fait tout pour garder une relation humaine entre les licenciés. Ça, c'est notre priorité par rapport au club. Je vous ai tout dit.